Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Petit run matinal. Je vous avoue, avec le froid d'hiver, là, le vent d'hiver, c'est un peu compliqué. Le cardio, c'est pas trop ça. Bref, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo? Très simple, la première thématique, recel. On va aller visiter le nouveau shop de SwiftKicks qu'il a récemment ouvert sur Vincennes. On va aller visiter le shop, on va l'interviewer et puis on va voir un peu les prix qu'il pratique. Et puis, on va lui donner de la force aussi parce que c'est quand même un frérot qui est sur YouTube. Et tout de suite, je dois aller chez ASICS pour essayer la nouvelle Noza 15. Mon frérot Manu me parle de cette paire depuis longtemps. À ce qui paraît, elle est super confortable. J'avoue, en termes d'esthétique, pour moi, c'est pas trop ça parce qu'elle est très colorée. Mais après, pour courir, on n'a pas besoin d'être beau, on n'a pas besoin de faire les fashion victimes. C'est juste pour le confort et pour les performances. Donc, on va tout de suite aller chez ASICS et puis voilà. Like a milli rocket, skin clear, still look y'all, Andy Miller knockin', money in my pocket, don't call me a money pocket, engine get to rocket, it sound like a thunder rocket, yeah, I still love my baby even when it's toxic, crazy like she Britney, but no, she don't shade the noggin, Russell Wilson, where I get low and stay in the pocket, I get paid and do my dance like a touchdown, yeah. Les gars, dans le petit sac, on a la fameuse Noza. Alors, vous l'avez vu dans les petits plans que j'ai fait. D'ailleurs, j'espère que vous avez kiffé ces petits plans artistiques. Dites-moi dans les commentaires. La voici, la voilà, elle est juste là. Donc, on a le petit logo ASICS. J'aime bien chez ASICS, ils font ça. Franchement, ça, c'est sympa. On a la photo de la paire à chaque fois. Ça, c'est sympa pour reconnaître qu'on a plein de paires, pour reconnaître la paire dans sa collection. Bon, comme je vous l'avais dit, elle est ultra flashy. On s'en fout. C'est pas pour la mode, c'est pas pour le lifestyle. C'est tout simplement pour courir et pour être bien. Et franchement, quand je l'ai essayé sur le tapis au magasin, la paire, elle a ce truc de, vous savez, en fait, vous marchez et en fait, elle vous propulse comme si elle envoyait de l'énergie. Et ça, c'est la première paire de sneakers que j'ai qui me procure ça. C'est à essayer si vous avez un ASICS près de chez vous ou si vous avez, je sais pas, un Sport 2000, un Intersport, un Decathlon. Peut-être que elle peut y être. Et bref, petit tour du propriétaire. Donc, on est sur du mesh très aéré. On est sur des couleurs qui sont vraiment très extravagantes. On a la fameuse semelle en Flight Faux Homme. Donc, c'est la technologie que la Noza a. On a le petit Noza Try ici, là. Très sympa. La Noza 15, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Et tout de suite, on se dirige vers Vincennes pour rejoindre notre ami Swave. Donc moi je m'appelle Hugo, j'ai 20 ans et j'ai ouvert ma propre boutique de sneakers depuis à peu près 2 mois et demi. Ça fait à peu près 3 ans et demi que je fais du resell et je le partageais sur YouTube, etc. Et puis en avançant avec le temps, j'ai fini par ouvrir ma propre boutique de sneakers. J'avais déjà fait des pop-up il y a à peu près 2 ans où j'avais des gens qui avaient pu venir en boutique, etc. Et donc découvrir cette expérience-là, moi j'avais adoré ça. Et donc du coup pour moi c'était vraiment l'objectif et la suite logique des choses, je voulais vraiment passer sur une boutique. Ça s'est fait assez rapidement, je cherchais une boutique depuis un petit moment et quand j'ai trouvé, je me suis lancé directement. En 2 mois c'était fait, j'ai fait un peu de com sur les réseaux sociaux, mais les gens ont vite compris que j'avais ouvert la boutique et ils se sont déplacés. Pour moi, il y a une énorme différence entre vendre en boutique et en ligne, et c'est la raison pour laquelle moi je voulais ouvrir ma boutique, qui est que moi je suis passionné par les sneakers avant tout. Quand j'ai commencé le resell, c'était pareil, pour pouvoir me financer mes propres paires, etc. Donc vraiment, j'adore le monde de la sneakers et j'adore pouvoir proposer aux gens l'expérience qu'il y a autour de la sneakers. Pourquoi cette collaboration, pourquoi ce prix-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier, etc. Qu'est-ce qu'elle amène, et c'est vraiment ce que j'adore avec la boutique. Dès que j'ai commencé à faire du resell, dès le début, je sais pas pourquoi, ça faisait partie des objectifs d'ouvrir la boutique. J'adorais aller dans les shops sur Paname, etc. Ça me fascinait de voir les murs de paires avec toutes les paires derrière. Donc recréer ça, c'était vraiment l'un des trucs que je voulais faire et encore une fois partager cette expérience avec les gens, apporter mon expertise, leur raconter l'histoire de la paire. J'adorais ça. Bon, après cette petite interview, on va faire un tour du magasin. Comme ça, je vous présente. Enfin, surtout, Swayze va vous présenter son shop. Bon,
Alors, frérot, ouais. Comment il se compose, le shop? Je vois que là, ça a l'air d'être le mur des bangers. Ici, c'est le mur pour abattre. On va pas se mentir, ici, okay. C'est le mur pour abattre. C'est le mur avec les grosses paires. D'accord. Donc ici, ouais, on a mis vraiment toutes les paires les plus rares de la boutique. Donc c'est pour ça qu'on a les trois coloris de géant off-white. On a quelques Travis, encore de la Travis, de la Union, etc. Bref, sur ce mur-là, on a clairement essayé de mettre les paires les plus rares de la boutique. Et en fait, comme tu peux le voir autour de toi, la boutique, elle est vraiment séparée en trois grandes parties. Ok. Donc la première partie, c'est celle-ci que t'as montré. Donc, ok. Les bangers, paires, donc là, on voilà. a du Virgil Abloh, du Off-White, on a du Travis, on a de la Union, etc. Okay. Exactement, l'objectif c'est que les gens ils rentrent dans la boutique, ils soient happés par ça, vraiment, okay. c'est le principal. Ensuite, sur ce mur-là, on va avoir les paires en haut un peu plus classiques, donc ça, ça va être tout ce qui est sorti récent, donc avec tous les. Ok, c'est ce qui fonctionne plus. Finalement en ce moment. Ouais, c'est ça, exactement, ça va être vraiment le truc qui fonctionne en ce moment, plus après les trucs vraiment produits d'appel, genre ça, tu vois, c'est de la Dunk qu'on vend à seulement 120 balles, c'est clairement le genre de paire que quelqu'un qui connaît pas forcément les sneakers, il va rentrer, il va voir ça à ce prix-là, il se dit, je peux la porter tous les jours, même en costard ou quoi, donc ça, c'est vraiment produit d'appel. Ok. Après, ensuite, en dessous, ici, on va avoir toutes les paires, une petite taille, donc tout ce qui est ici, c'est tout ce qui est en dessous du 40. D'accord. On commence au 36 et on va jusqu'au 38, 39, je crois, sur cette colonne-là. Et après, en bas, parce qu'il faut vraiment pour tous les budgets dans la boutique, bien sûr. On a la colonne avec, enfin, la ligne, pardon, avec les paires les moins chères de la boutique. Là-dessus, on commence à 75 euros. Je crois que ces trois-là, par exemple, c'est 75 euros. Ok, montre-nous un peu les paires les moins chères du coup du shop. Qu'est-ce bah, les que... moins chères qu'est-ce du shop, on a celle-ci à 80. Okay. Celle-ci qui est à 75. Okay. Et enfin, celle-ci ici qui est à 75 aussi. Et il faut savoir que c'est des paires qui sont complètement neuves. Donc vraiment, on a essayé de faire des très bons prix. Il en faut, donc c'est vraiment l'objectif. Et dès que j'ai des trucs un peu cool, pas chers, je les mets là. Parce que l'objectif, c'est vraiment que n'importe quelle personne qui rentre dans la boutique, il puisse partir avec une paire sans se sentir arnaqué et qu'il soit vraiment content. Donc clairement, on a essayé d'avoir des petits prix aussi pour ça. Génial. Et ensuite, on a, on va dire, le plus gros, en tout cas, le mur le plus conséquent. C'est où ça. Où t'as toutes tes paires. Là, il y a le plus grand mur où, en gros, ici, on va avoir toutes les tailles du 40 au 48,5. Et on a longuement hésité entre les classer par modèle, les classer par taille, et au final j'ai fini par les classer par taille parce que comme j'ai pas toutes les tailles sur tous les modèles, on a okay. beaucoup d'occasions, je veux que les gens puissent s'y retrouver. Donc en gros c'est par ordre croisant du 40 au 48,5, et donc en gros ici on est sur le 40, ici 41, ici 42 et ainsi de suite. Okay. Et là on a vraiment de tout, pareil la moyenne de prix ça doit être à peu près 250-300 euros, mais pareil on a un peu plus haut, un peu plus bas, l'objectif c'est que tout le monde puisse s'y retrouver. Ok, moi par exemple ouais. je fais du 42-42,5. Okay. Alors qu'est-ce qu'il y a à ma taille de sympathique? De sympathie, franchement, 42-42,5, on va avoir des trucs plutôt cool. Ça va être beaucoup J1, un peu J4. En gros, ça va être toute cette colonne à part celle-ci. Et après, la colonne d'à côté, tout ça, ça va être du 42,5. Donc, par exemple, on va avoir petite paire de Jordan 4 Seafoam que je trouve vraiment propre. Ça passe magnifique. Vraiment avec tout. Le petit kaki, le vert, il est vraiment sympa sur celle-là. Donc, de fou. Après, combien celle-ci? Celle-ci, elle affiche à 230 euros. Ok. Portée très peu de fois, elle est en super état. Donc, franchement, un prix qui est vraiment nickel. Okay. Parce que toi, tu fais, du coup, comme t'expliquais, du resell. Du neuf, mais aussi de l'occasion. C'est ça, exactement. Bah moi, en gros, pourquoi je me suis mis dans l'occasion, c'est que quand j'ai commencé, déjà, il y avait beaucoup de gens sur le neuf, et je trouvais ça un peu dommage, tout le monde vendait la même chose, et c'était vraiment un peu triste. Et encore une fois, comme je l'expliquais tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un de très passionné, donc ça me saoulait d'avoir que de la Dunk, etc. Moi, j'aime bien avoir des paires qu'on voit un peu moins, genre par exemple, la petite Dunk Off-White, etc. Ouais, des paires un peu plus exotiques. Exactement. J'ai vu même, il y avait la Vaudou, là, exactement. Là, elle est à combien, la Vaudou? Elle est à 330, et okay. tu me parlais de paires en 42,5. Ah donc ça, c'est pour toi. Mais la petite Vaudou, voilà, c'est exactement ce genre de paire-là qu'on va forcément pas voir ailleurs. Avec beaucoup de détails, très travaillé. Ouais. Moi, c'est ce que je voulais chercher. Franchement, l'objectif, c'était vraiment d'avoir de tout pour tous les prix. Et encore une fois, bah, l'occasion, ça permet d'avoir des paires en très bon état pour beaucoup moins cher. Donc vraiment, c'est ça qui est vraiment cool. Surtout que vraiment, bah, comme tu l'as vu, je peux même te le montrer sur celle-ci. Travis Air Max One, 240. Air Max One, elle est seulement à 240. Sa DS, tu touches à au moins 300 euros. Et là, tu vois, la paire, elle est portée seulement une fois. Donc franchement, c'est... Franchement, elle est très très belle. Hein. Elle est clean de fou. Elle est vraiment magnifique. Moi, j'ai la Baroque Brand, tu vois, mais ouais. celle-là, c'est vrai que elle est vraiment sympa. Ouais, carrément, carrément de fou. Et après, on a d'autres choses. Après, on a un petit peu de Dunk s'il faut. Là, une petite Dunk Syracuse qui est neuve cette fois-ci. Petite Dunk Super Nana. Voilà, on en a vraiment pour tout. Ouais, les Super Nana, j'ai vu. Bah, t'as le pack complet. Finalement. Exactement, juste ici. Ouais. Après, j'ai pas forcément toutes les tailles, mais là, ouais, j'ai le pack complet. J'ai jamais eu dans les mains, tu vois. Ok. Moi, personnellement, ma préférée, c'est la bleue parce qu'il y a okay. un beau travail de texture comparé aux autres qui a Montre. Été fait sur le dessus. Tu vois, il y a un petit peu surbrillant, etc. Et ça, tu l'as pas sur les autres. Ouais. Mais après, c'est les goûts et les couleurs. Mais moi, c'est vraiment le coloris que je préfère. Que tu préfères. Ok, ouais, c'est vrai que la bleue est pas mal, j'aime bien ce petit effet sur le vernis là, ouais. un peu pailleté. Et sinon, ouais, c'est quoi, ouais, cuir retourné sur celle-là et sur ouais, l'autre. Et l'autre, c'est un effet un peu satiné, un ouais, peu satiné. Ouais, satiné, la verte, elle est moins belle. Moi, personnellement, c'est celle que j'aime le moins, mais par contre, c'est la plus portable des trois. En termes de coloris, je suis assez d'accord. Vu qu'elle est que une couleur et noire, bah en fait, tu mets un outfit full noir, ça passe plus simple, alors que les autres, vu que c'est ouais. jaune ou bleu ou orange et rose, c'est plus compliqué. C'est clair. Putain, la petite, combien la petite TN? La petite TN, elle est à 2,70, c'est une TN Paris. Ouais. Donc voilà, petite TN qu'on trouve pas forcément partout. Et c'est pour ça, j'ai pas. C'est la seule TN que j'ai dans la boutique. Yes. Et comme c'était une paire un peu cool, je me suis dit, why not? Ouais, franchement, elle est cool. C'est quoi ton top 5 dans ta boutique?
compliqué, c'est une question. Si tu dois en faire un là. On pose beaucoup. Alors attends, que je fasse. Il y a des bangers que peut-être là-dedans. Ouais, mais je vais faire un truc facile et moins facile. Allez, truc facile, le premier, c'est ça. Hein. Moi, ça. Bien sûr. Par tout ce qu'elle représente, etc. Game Changer, première collab Virgil Abloh Nike. Exactement, et franchement, elle a complètement redéfini, etc. Et puis moi qui suis reseller, ça fait partie des références. Hein. La petite J1 Chicago, je pense que c'est l'une des paires qui cote le plus par rapport à son prix retail. Complètement. Et vraiment par tout ce qu'elle représente, le travail de Virgil, c'est ce qui a amené toutes les collabs qu'on connaît récemment. Donc franchement, cette paire-là, je la kiffe. Et puis même visuellement, elle est magnifique, cette paire. Ouais, c'est clair. Top 2 maintenant. Top 2. Top 2. Là, on commence à rentrer dans le dur parce qu'en fait, j'aime beaucoup. La plupart des paires que j'ai dans la boutique, je les kiffe, donc c'est pour ça que c'est assez dur. C'est bien, au moins tu vends ce qui te plaît. Bah, pour te dire, je vends très peu de choses que je n'aime pas. Il y a plein de gens qui me demandent des hugs, il y a plein de gens qui me demandent des trucs comme ça. Déjà, par. Ouais, tout ce qui est Tasman, etc. Après, c'est normal, hein, c'est la tendance. Donc... Bah, c'est la tendance, mais déjà, moi, pour tout le côté animal, etc., tu sais, il y a eu tout le scandale avec les moutons, je voulais pas en vendre. Quand il y a des commandes, why not, tu vois. Ouais. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas trop envie d'en proposer en boutique et en plus de ça, ça me parle pas. Donc, c'est pour ça que j'en propose pas trop. Mais du coup, top 2, bon, allez, vas-y, c'est quand même une paire que j'adore. Top 2, je dirais celle-ci, la petite paire de la SB. Jordan 4 SB. Je trouve que le coloris entre le vert, le blanc un petit peu cassé, un peu crème, et la partie gum en dessous, je trouve que ça se corde vraiment bien ensemble. Donc la top 2, je pense que je mettrais celle-ci. Ok, génial. Tac, tac, tac. Top 3, celle qui s'assoit sur le podium avec les deux autres. Bah, c'est dur. Là, c'est dur parce que j'hésite entre trop de paires. Non, je sais lesquelles je dois mettre derrière, mais après, dans l'ordre, c'est compliqué. En gros, les trois, je vais tricher un peu. Les trois que je mettrai après, c'est ces trois-là. Ouais. Que je kiffe de fou. Donc en haut, la petite J Balvin qui est sortie assez récemment, que j'adore. Je trouve qu'il y a un vrai taf qui est sympa, qui change de l'ordinaire avec le côté sunset à l'arrière qu'on retrouve. J'aime beaucoup avec le petit smiley. Ouais, tu sais, je trouve que ça fait très inspiration entre À Ma Manière et Travis. Ouais, et c'est le mélange parfait en fait. Bah, entre dans le délire, quand tu compares avec la Ma Manière, vraiment c'est très 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 proche dans l'idée. C'est dans très coloris, similaire. C'est très similaire. Donc voilà. Ensuite, je vais la remettre au bon endroit, c'est mieux. Ensuite, la petite J1 Low Travis Fragment. Franchement, personnellement, je vais peut-être me faire tirer dessus, mais c'est, je pense, la low que je préfère avec la Reverse Mocha. Ok, mais moi, je suis du même avis. Ok, donc voilà, ma low préférée. Je trouve qu'elle tue de fou le coloris entre le noir, le crème et le bleu à l'arrière, le bleu fragment. Je trouve qu'elle passe vraiment bien. Donc, franchement, c'est une paire que j'adore. Et enfin, on reste dans la Travis. Ça, c'est, je pense, la paire de ma collection que je préfère avec la petite chaîne que j'ai au pied. Yes, moi aussi. Elle fait partie de mon top 1 de All My Sneakers. La baroque, je trouve que vraiment, elle est magnifique. Le taf qui a été fait dessus. Et en plus, ça change. Un peu avec tout ce côté un peu trail, etc. Je trouve que ça tue de fou. Ouais, je suis donc complètement d'accord. Je pense que celle-ci est rentrée dans le top. Ok, génial. En vitrine, ce que t'as mis, c'est finalement, c'est quoi? C'est du banger, hein, c'est ce qu'on trouve. Ouais, en gros, j'ai essayé de faire. Ici, je vais avoir beaucoup de bangers. Bon, là, tu le vois pas bien de ce côté-là, mais ouais, donc ici, j'ai les trois J1 Off-White en haut ici. Donc, je vais avoir la Travis que je t'ai présentée juste avant, la petite Low. Tout en haut, je vois la High. Ouais, de ce côté-là, je vais avoir pas mal de bangers, quelques petites J4 en bas. Yes. Et bien évidemment, comme moi, je suis un mec qui adore l'automobile, je pense que c'est l'une de mes plus grosses passions après les sneakers. Il faut quelques Porsche qui se perdent. Ouais, c'est pas mal. Donc, ouais, il fallait que j'en mette quelques-unes. Génial. Et après, de ce côté-là, on va avoir plutôt des trucs qui vont, entre guillemets, attirer l'œil. Donc, tu vois, il y a beaucoup de couleurs. À part les campus qui sont très clairement produits d'Apple, yes, qui sont là bien pour les gens qui connaissent pas, c'est boutique. Normal. Mais tout le reste, c'est beaucoup de couleurs pour que les gens soient interloqués et rentrent. Et c'est des paires que je kiffe, donc voilà, j'essaie de mettre des trucs plutôt sympas. Ok, top, génial. Frérot, j'ai une petite question. Dis-moi. J'ai jamais vu de Jordan 4 Bred en cuir. Eh ben écoute, c'est normal parce que ça fait seulement une semaine qu'on peut voir ça au moment où on tourne la vidéo. En tout cas, c'est sorti très récemment, donc c'est la Jordan 4 Bred Reimagined. Ok, c'est la Reimagined. Exactement. Ok. Je t'avoue, je boude un peu la paire pour plusieurs raisons. Petit 1, je comprends pas où est l'aspect Reimagined. Tu vois, tu compares par exemple avec une Lost and Found qui elle était Reimagined. Bien sûr. T'as le côté vieilli, etc. Tu vois. Là, pareil sur la pour paire, la 3 qu'il y avait eu. Pareil sur la 3. Là, j'en ai pas actuellement, mais ouais, pareil sur la 3. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage qu'il l'ait pas fait, mais bon, après voilà. Mais ouais, ça c'est sorti assez récemment, donc c'est plutôt cool. C'est les semelles des 4 SB, donc c'est hyper confort. Ok, génial. Etc., comparé aux 4 habituels. Maintenant, moi, je trouve la petit un peu moins belle que la 2019 du coup qui était sortie. Là, tu vois, j'ai celle-ci qui est en super état. Je trouve que celle du haut avec le daim, elle est plus belle et plus facile à porter. Mais c'est vrai que celle-ci, au moins, elle s'allie moins facilement la 2024. Et tu sais que de loin, elle fait quali quand même, hein, je trouve. Mais en fait, de loin, elle fait quali. Peut-être qu'elle doit criser très rapidement parce que le cuir doit être pas de bonne qualité. Peut-être dans que les c'est ça. Fait, de ce que j'ai entendu, pas tant que ça. Honnêtement, j'ai vu des comparatifs de mecs, genre, tu sais, qu'il l'a porté pendant 30 jours. Okay. Dans les faits, c'est ok. Mais par contre, en fait, c'est des finitions. Genre, si tu veux, après, je te la passe à la lumière UV. Ouais. Tu verras. Il y a de la colle de partout. Même au niveau des du cuir, tu vois, sur la toe box, t'as la petite pointe du cuir. T'as ça sur toutes les paires. Tu l'as ici, tu l'as là. Tu l'as ici aussi, tu vois. Genre là, le cuir est un peu retourné, c'est un peu mal fini. C'est vrai. Eux, ils pourront pas voir à la vidéo, mais la paire, elle pue la colle de
ouf. C'est-à-dire que c'est choquant par rapport à la plupart des paires. Et c'est ça sur toutes les paires, c'est la 5e ou 6e que j'ai et plus la colle de ouf. Ah, c'est chaud. Et voilà, donc je trouve ça un petit peu dommage, mais après c'est Nike, ils essaient toujours de faire leur petit truc dessus. Et c'est dommage pour des retails qui font que de monter, mais ouais, en tout cas ça reste une paire qui est cool, mais c'est vrai que moi je reste un peu sur ma fin dessus. Ouais, ok, je comprends carrément. Bah merci pour ce petit comparatif, pas de soucis. Merci aussi pour la visite de ton shop. Avec franchement, plaisir. C'est très sympa. Merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Est-ce que t'as un mot de la fin? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tes réseaux, etc. Comme ça, tu fais ta petite pub, hein, Insta, YouTube et l'adresse du shop aussi. Hein. Ouais, carrément. Bah donc si jamais les gens veulent me retrouver, vous pouvez me retrouver directement sur mon YouTube. Je compte sur toi pour le mettre en description. Ouais, t'inquiète. Sur mon Instagram, sur mon TikTok, etc. Sur FKX à chaque fois. Et si vous voulez passer en shop, les gars, c'est avec plaisir. C'est au 72 rue de Montreuil à Vincennes. Si vous êtes dans Paname, etc. En RER A, vous y êtes vraiment en 15 minutes depuis Châtelet, donc vraiment très facile. Mais également, si vous êtes pas sur Paname, mais que vous voulez quand même acheter vos paires, swiftkicks.com, pareil, j'espère que tu mettras le petit lien en description. T'inquiète, vas-y, n'hésitez pas à aller checker tout ça, donc voilà. Génial. Et si vous voulez voir ces vidéos YouTube, bah depuis tout à l'heure, elles passent derrière, donc ça ressemble à ça. Donc c'est très axé sneakers, lifestyle et aussi vie de reseller. Exact. Vu qu'avant, tu faisais tout en ligne et pas en physique. C'est ça, tout à fait. Ok, génial. Bah merci frérot. Merci à toi en tout cas d'être venu. Yes, merci infiniment. Et puis moi, je leur dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et toi, à la prochaine, que ce soit ici en shop ou sur les réseaux. Carrément, à très vite. Ciao mon gars.